La première étape de notre recette, nous allons préparer les champignons, une fois lavés, ou légèrement passés au pinceau, parce que le champignon prend beaucoup d'eau, donc on évite de le passer à l'eau systématiquement. Là, on va le couper en quartier et le faire revenir. Donc là, on est bon, on va pouvoir mettre en cuisson. C'est une cuisson très rapide pour garder le croquant des champignons. Crème du citron. Voilà, on est bien là. Voilà, notre cuisson est terminée. Là, je suis en train de concasser mon pain pour faire la vinaigrette. Il ne faut pas avoir peur que le pain soit un peu rassis, hein. C'est important, ou même de le sécher au four, c'est bien aussi. Cette vinaigrette-là va servir à l'assaisonnement des champignons à la crème. Donc avec ma chicorée, l'huile de pépins de raisin et le vinaigre balsamique. Voilà. Donc elle a une notion, elle est pas liée complètement et le pain vient apporter une saveur de pain brûlé comme si c'était une saveur un peu de toast. Donc pour terminer la sauce, je vais y ajouter une petite échalote ciselée très très fin. Donc ça, c'est les premiers artichauts poivrades. Donc ça, c'est généralement, c'est Bretagne. Donc l'idée, c'est, en fait, on va les couper à la mandoline très très fin et on va les faire crus en chips, en pétales, très très fin. Donc ça, c'est plus comme ça. Et après, on va aller chercher l'intérieur de l'artichaut. Et donc la particularité, c'est qu'ils n'ont pas de foin au milieu. Là, maintenant, on les citronne pour les garder bien, bien blancs. Le chicorée va être un très bon révélateur avec le champignon. Et l'artichaut en pétales coupé très fin, cru. Alors c'est assez sympa parce qu'on peut travailler dans le principe de la chromatique. Tout est blanc, hormis la chicorée qui est en contraste avec le noir. On a des saveurs qui ne s'entrechoquent pas malgré tout. La chicorée est quelque chose, est un produit astringent, mais malgré tout un peu liquoreux, donc qui est bon conducteur de goût. La crème va effectivement bien liée, va être un bon pont au niveau de la dégustation entre tous ces ingrédients-là.